vos bagages sont là, mon cher confrère? Tous, docteur Parpalais. Scipion les casera près de lui. Nous tiendrons très bien tous les trois à l'arrière de la voiture. La carrosserie est si spacieuse, les straps sont ainsi confortables. Ah, ce n'est pas la construction étriquée maintenant. Je vous recommande cette caisse, j'y ai logé quelques appareils qui sont fragiles. Voilà une torpedo que je regretterai longtemps si nous faisions la sottise de la vendre. Ah, car c'est une torpedo. Oui. Vous voyez comme vos valises se logent facilement. Scipion ne sera pas gêné du tout. Il est même dommage que vous n'en ayez pas plus. Vous vous seriez mieux rendu compte des commodités de ma voiture. Saint-Maurice est loin. 11 kilomètres. Notez que cette distance du chemin de fer est excellente pour la fidélité de la clientèle. Les malades ne vous jouent pas le tour d'aller consulter au chef-lieu. Il n'y a donc pas d'autobus. Oh, une guimbarde si lamentable qu'elle donne envie de faire le chemin à pied. Ici, on ne peut guère se passer d'automobile. Surtout dans la profession. Je mets en marche. Oui, commencez à mettre en marche, mon ami. Sur le parcours, le paysage est délicieux. Merci. Tu prends le strapontin, n'est-ce pas? Le docteur Knock se placera près de moi pour bien jouir de la vue. La carrosserie est assez vaste pour que trois personnes se sentent à l'aise sur la banquette arrière. Mais il faut pouvoir s'étaler lorsqu'on contemple un panorama. Tout va bien? L'injection d'essence est terminée dans les deux cylindres? Avez-vous pensé à essuyer un peu les bougies? C'était prudent après une étape de 11 kilomètres. Enveloppez bien le carburateur. Hein? Un vieux foulard voudrait mieux que ce chiffon. De... Parfait. Je m'assois... Pardon, cher confrère. Je m'assois sur ce large strapontin. La route ne cesse de s'élever jusqu'à Saint-Maurice. À pied, avec tous ces bagages, le trajet serait terrible. En auto, c'est un enchantement. J'ai dit, mon cher confrère, il m'arrivait de taquiner la muse. J'avais composé un sonnet de 14 vers sur les magnificences naturelles qui vont s'offrir à nous. Du diable, si je me le rappelle encore. Profondeur des vallons, retraite pastorale. Depuis quelques années, tu t'obstines à dire « profondeur ». C'est « abîme des vallons » qu'il y avait dans le premier temps. Oui, je... Écoutez, mon cher confrère, comme le moteur part bien. À peine... À peine quelques tours de manivelle pour appeler les gaz et tenez, une explosion, une autre, voilà, et nous marchons. Croyez-moi, mon cher successeur, car vous êtes cet instant mon successeur, vous avez fait une bonne affaire. Oui, dès cet instant, ma clientèle est à vous. Si même, le long de la route, quelques patients, me reconnaissant au passage, malgré la vitesse, réclament l'assistance de mon art, je déclare en m'effaçant, vous vous trompez, monsieur, voici le médecin du pays. Et je le ressors de mon trou que si vous m'invitez formellement à une consultation contradictoire. Mais vous avez eu de la chance de tomber sur un homme qui voulait s'offrir un coup de tête. Mon mari s'était juré de terminer sa carrière dans une grande ville. Lancez mon chant du cygne sur un vaste théâtre. Vanité un peu ridicule, n'est-ce pas? Je rêvais de Paris, je me contenterai de Lyon. Au lieu d'achever tranquillement de faire fortune ici. Ne vous moquez pas trop de moi, mon cher confrère. C'est grâce à cette tocade que vous avez ma clientèle pour un morceau de pain. Vous trouvez? C'est l'évidence même. En tout cas, je n'ai guère marchandé. Certes, et votre rondeur m'a plu. J'ai beaucoup aimé aussi votre façon de traiter par correspondance et de ne venir sur place qu'avec le marché en poche. Cela m'a semblé chevaleresque ou même américain.
Mais je puis bien vous féliciter de l'aubaine, car c'en est une. Une clientèle égale, sans à-coup. Un pharmacien qui ne sort jamais de son rôle. Aucune occasion de défense. Pas une seule distraction coûteuse. Dans 6 mois, vous aurez économisé le double de ce que vous devez à mon mari. Et je vous accorde 4 échéances trimestrielles pour vous libérer. Sans les rhumatismes de ma femme, je crois que j'aurais fini par vous dire non. Madame Parpalet est rhumatisante. Hélas. Le climat, quoique très salubre en général, ne lui valait rien en particulier. Y a-t-il beaucoup de rhumatisants dans le pays? Oh, dites mon cher confrère qu'il n'y a que des rhumatisants. Voilà qui me semble d'un grand intérêt. Oui, pour qui voudrait étudier le rhumatisme? Là, je pensais à la clientèle. Ah, pour ça, non. Les gens d'ici n'auraient pas plus l'idée d'aller chez le médecin pour un rhumatisme que vous n'iriez chez le curé pour faire pleuvoir. Oh, regardez! C'est fâcheux! Regardez, regardez, docteur, comme le paysage est ravissant! On se croirait en Suisse! Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut que je démonte le tuyau d'essence. Bien, bien. Précisément, je voulais vous proposer un petit arrêt ici. Pourquoi? Le panorama n'en vaut-il pas la peine? Mais si tu veux t'arrêter, c'est encore plus joli un peu plus haut. Et que nous nous arrêterons aussi un peu plus haut. Nous nous arrêterons 2 fois, 3 fois, 4 fois si le cœur nous en dit. Dieu merci, nous ne sommes pas des chauffards. Observez, mon cher confrère, avec quelle douceur cette voiture vient de stopper. Et comme là-dessus, vous restez constamment maître de votre vitesse. Point capital dans un pays montagneux. Vous vous convertirez à la traction mécanique, mon cher confrère, et plus tôt que vous ne le pensez. Mais gardez-vous de la calotte actuelle. Les aciers, je vous demande! Montrez-nous vos aciers! S'il n'y a rien à faire du côté des rhumatismes, on doit se rattraper avec les pneumonies et pleurésie. Profitez donc de notre halte pour purger un peu le tuyau d'essence. Hein. Vous me parliez, mon cher confrère, des pneumonies et pleurésies. Elles sont rares. Le climat est rude, vous le savez. Tous les nouveaux initiatifs meurent dans les 6 premiers mois, sans que le médecin ait à intervenir, bien entendu. Ceux qui survivent sont des gaillards durs à cuire. Toutefois, nous avons des apoplectiques et des cardiaques. Et ils ne sont doute pas une seconde et meurent foudroyés vers la 50aine. Ce n'est pas en soignant des morts subites que vous avez pu faire fortune. Oh, évidemment, évidemment. Il nous reste d'abord la grippe. Pas la grippe banale qui ne les inquiète en aucune façon et qu'ils accueillent même avec faveur parce qu'ils prétendent qu'elle fait sortir les humeurs viciées. Non, non, non. Je pense aux grandes épidémies mondiales de grippe. Mais ça, c'est comme le vin de la comète. S'il faut que j'attende la prochaine épidémie mondiale... Oh, moi qui vous parle, j'en ai vu deux. Celle de 89-90 et la grippe espagnole de 1918. En 1918, nous avons eu ici une très grosse mortalité. Plus relativement que dans les grandes villes. N'est-ce pas? Tu avais fait le compte. Alors, avec notre pourcentage, nous laissions derrière nous 83 départements. Ils s'étaient fait soigner. Oui, surtout vers la fin. Et nous avons eu de très belles rentrées à la Saint-Michel. Peut-il? Oui, ici, le client vous paye à la Saint-Michel. Quel est le sens de cette expression? Est-ce un équivalent des calendes grecques ou de la Saint-Glinglin? Bon, qu'en avez-vous pensé, mon cher confrère? La Saint-Michel est une des dates les plus connues du calendrier. Il correspond à la fin septembre. Et nous sommes début octobre. Oui. Vous, au moins, vous avez su choisir votre moment pour vendre. Mais voyons, si quelqu'un vient vous trouver pour une simple consultation, il vous paye bien séance tenante. Eh non, à la Saint-Michel, c'est l'usage. Non, mais s'il ne vient que pour une consultation seule et unique, si vous ne le revoyez plus de toute l'année. À la Saint-Michel. À la Saint-Michel. Mais d'ailleurs, les gens viennent presque toujours pour une seule consultation. Hein? Oui.
Alors qu'est-ce que vous faites des clients réguliers? Quels clients réguliers? Enfin, ceux qu'on visite plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par mois. Tu entends ce que dit le docteur? Des clients comme on a le boulanger ou le boucher. Oh, on voit bien que le docteur est un débutant. Il se fait des illusions. Croyez-moi, mon cher confrère, vous avez ici le meilleur type de clientèle. Celle qui vous laisse indépendant. Indépendant? Vous en avez de bonnes? Je m'explique. Je veux dire que vous n'êtes pas à la merci de quelques clients susceptibles de guérir d'un jour à l'autre et dont la perte fait chavirer votre budget. Dépendant de tous, vous ne dépendez de personne. Voilà. En d'autres termes, j'aurais dû apporter une provision d'asticots et une canne à pêche. Mais peut-être trouve-t-on ça là-haut. Oui. Et la situation commence à devenir limpide. Et mon cher confrère, vous m'avez cédé pour quelques billets de 1000 queues. Je vous dois encore une clientèle, tiens, de tout point assimilable à cette voiture, dont on pourrait dire qu'à 19 francs, elle n'est pas chère, mais qu'à 25, elle est au-dessus de son prix. Tenez, comme j'aime à faire les choses largement, je vous en donne 30. 30 francs de ma torpedo? Je ne la lâcherai pas pour 6000. Et je m'y attendais, donc je ne pourrais pas acheter cette voiture. Non, si au moins vous me faisiez une offre sérieuse. C'est dommage, je pensais la transformer en bahut breton. Quant à votre clientèle, j'y renoncerai avec la même absence d'amertume s'il en était encore temps. Laissez-moi vous dire, mon cher confrère, que vous êtes victime d'une fausse impression. Moi, je croirais volontiers que c'est plutôt de vous que je suis victime. Enfin, je n'ai pas coutume de geindre et quand je suis roulé, je ne m'en prends qu'à moi. Roulé ? Oh, mais proteste, mon ami, proteste ! Mais je voudrais surtout détromper le docteur Knock. Mais pour vos échéances, elles ont le tort d'être trimestrielles dans un climat où le client est annuel. Faudra corriger ça. De toute façon, ne vous tourmentez pas à mon propos, j'ai horreur d'avoir des dettes. Mais c'est en somme beaucoup moins douloureux qu'un limbago, par exemple, ou qu'un simple furoncle à la fesse. Comment? Vous ne voulez pas nous payer aux dates convenues? Oh, mais je brûle de vous payer, madame, mais je n'ai aucune autorité sur l'almanach. Et il est au-dessus de mes forces de faire changer de place la Saint-Glinglas. La Saint-Michel! La Saint-Michel. Mais vous avez bien des réserves? Aucune. Je vis de mes revenus, ou plutôt, j'ai hâte d'en vivre. Et je déplore d'autant plus le caractère mythique de la clientèle que vous me vendez que je comptais lui appliquer des méthodes entièrement neuves. Mais il est vrai que le problème ne fait que changer d'aspect. En ce cas, mon cher confrère, vous seriez deux fois coupable de vous abandonner à un découragement prématuré qui n'est que la rançon de votre inexpérience. Certes, la médecine est un riche terroir, mais les moissons n'y lèvent pas toutes seules. Vos rêves de jeunesse vous ont un peu leurré. Mon cher confrère, votre propos fourmille d'inexactitude. D'abord, j'ai plus de 50 ans. Mes rêves, si j'en ai, ne sont pas des rêves de jeunesse. Soit. Mais vous n'avez jamais exercé. Votre erreur. Comment? Ne m'avez-vous pas dit que vous veniez de passer votre thèse l'été dernier? Oui, 32 pages in octavo sur les prétendus états de santé, avec cette épigraphe que j'ai attribuée à Claude Bernard. Les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent. Nous sommes d'accord, mon cher confrère. Sur le fond de ma théorie? Non, sur le fait que vous êtes un débutant. Pardon, pardon. Mes études sont en effet très récentes, mais mon début dans la pratique de la médecine date de 30 ans. Vous avez donc pratiqué sans titre et clandestinement? Dans la face du monde, au contraire. Et pas dans un trou de province, mais dans un espace d'environ 7000 kilomètres. Je ne vous comprends pas. C'est pourtant simple. Il y a une trentaine d'années, ayant dû renoncer à l'étude des langues romanes, j'étais vendeur aux Dames de France à Marseille, rayon des cravates. Je perds mon emploi. En me promenant sur le port, je vois annoncer qu'un vapeur de 1700 tonnes en direction des Indes demande un médecin. Le grade de docteur n'étant pas exigé, qu'auriez-vous fait à ma place? Mais rien, sans doute. Oui, vous n'aviez pas la vocation. Moi, je me suis présenté. Comme j'ai horreur des situations fausses, j'ai déclaré en entrant: « Messieurs,
Je pourrais vous dire que je suis docteur, mais je ne suis pas docteur, et je vous avouerai même quelque chose de plus grave. Je ne sais pas encore quel sera le sujet de ma thèse. Ils me répondent qu'ils ne tiennent pas au titre de docteur, qu'ils se fichent complètement de mon sujet de thèse. Je réplique aussitôt, bien que n'étant pas docteur, je désire, pour des raisons de prestige et de discipline, qu'on m'appelle docteur à bord. Ils me disent que c'est tout naturel. Je n'en continue pas moins de leur expliquer pendant un quart d'heure les raisons qui me font vaincre mes scrupules et réclamer cette appellation à laquelle, en conscience, je n'ai pas droit. Si bien qu'il nous est resté à peine 3 minutes pour régler la question des honoraires. Mais vous n'aviez réellement aucune connaissance ? Entendons-nous. Dès mon enfance, j'ai toujours lu avec passion les annonces pharmaceutiques et médicales des journaux, ainsi que les prospectus intitulés « Mode d'emploi » que je trouvais enroulés autour des boîtes de pilules et des flacons de sirop qu'achetaient mes parents. Dès l'âge de 9 ans, je savais déjà par cœur des tirades entières sur l'exonération imparfaite du constipé. Ces textes m'ont rendu familier de bonheur avec le style de la profession et aussi avec le véritable esprit de la médecine et sa véritable destination. Ma théorie et ma méthode actuelle en est sortie. Vous avez une méthode ? Oh, je serais curieux de la connaître. Oh, je ne fais pas de propagande. D'ailleurs, il n'y a que les résultats qui comptent. Tenez, aujourd'hui, de votre propre aveu, vous me livrez une clientèle nulle. Nulle ? Oh, bête ! Venez voir dans un an ce que j'en aurai fait, la preuve sera péremptoire. En m'obligeant de partir à zéro, vous accroissez l'intérêt de l'expérience. Monsieur, je crois que je ferais bien de démonter aussi le carburateur. Faites. Comme notre conversation se prolonge, j'ai dit à ce garçon d'effectuer son nettoyage mensuel du carburateur. Mais quand vous avez été sur votre bateau, comment vous en êtes-vous tiré ? Les 2 dernières nuits avant de m'embarquer, je les ai passées à réfléchir. Ensuite, mes 6 mois de pratique à bord m'ont servi à vérifier mes conceptions. C'est un peu la façon dont on procède dans les hôpitaux. Et vous aviez beaucoup de gens à soigner ? L'équipage et 7 passagers de conditions très modestes, en tout 35 personnes. C'est un chiffre. Et vous avez eu des morts ? Aucun, c'était contraire à mes principes. Je suis pour une diminution de la mortalité. Oui, comme nous tous. Vous aussi ? Tiens, je n'aurais pas cru. Bref, je trouve que malgré toutes les tentations contraires, nous devons travailler à la conservation du malade. Il y a du vrai dans ce du docteur. Et des malades, vous en avez eu beaucoup ? Ah, 35. Tout le monde alors ? Oui, tout le monde. Comment le bateau a-t-il pu marcher ? Un petit roulement à établir. Dis donc, maintenant, vous êtes bien réellement docteur ? Parce qu'ici, le titre est exigé et vous nous causeriez de gros ennuis. Si vous n'étiez pas réellement docteur, il vaudrait mieux nous le confier tout de suite. Et je suis bien réellement et bien doctoralement docteur. Quand j'ai vu mes méthodes confirmées par l'expérience, je n'ai eu qu'une hâte. C'est de les appliquer sur la terre ferme. Et en grand. Oh, je n'ignorais pas que le doctorat était une formalité indispensable. Mais vous nous disiez que vos études étaient toutes récentes. Je n'ai pas pu les commencer à ce moment-là. Et vous pensez appliquer vos méthodes ici ? Si je ne le pensais pas, madame, je prendrais mes jambes à mon cou et vous ne me rattraperiez pas. Évidemment, je préférerais une grande ville. Toi qui vas à Lyon, ne pourrais-tu pas demander au docteur quelques renseignements sur sa méthode ? Cela n'engage à rien. Mais le docteur Knock ne semble pas tenir à la divulguer. Pour vous être agréable, je puis vous proposer l'arrangement suivant. Au lieu de vous payer, Dieu sait quand, en espèces, je vous paye en nature. C'est-à-dire que je vous prends 8 jours avec moi et je vous initie à mes procédés. Vous plaisantez, mon cher confrère. C'est peut-être vous qui m'écrirait dans 8 jours pour me demander conseil. Je n'attendrai pas jusque-là. Et d'ailleurs, je compte bien obtenir de vous aujourd'hui même plusieurs indications très utiles. Non, merci. Disposez de moi, mon cher confrère.
Y a-t-il un tambour de ville là-haut? Vous voulez dire un homme qui joue du tambour et qui fait des annonces au public? Parfaitement. Et il y a un tambour de ville. La municipalité le charge de certains avis. Les seuls particuliers qui recourent à lui sont les gens qui ont perdu leur porte-monnaie. Ou encore quelques marchands forains qui soldent un déballage de faïence et de porcelaine. Bon, Saint-Maurice a combien d'habitants? 3500 dans la commune, je crois, et près de 6000 dans l'agglomération. Et l'ensemble du canton? Oh, le double au moins. La population est pauvre? Oh non, très à l'aise au contraire, et même riche. Il y a de grosses fermes. Beaucoup de gens vivent de leur rente ou du revenu de leur domaine. Terriblement avare, d'ailleurs. Il y a de l'industrie? Oh, fort peu. Du commerce? Oh, ce ne sont pas les boutiques qui manquent. Les commerçants sont-ils très absorbés par leurs affaires? Ma foi, non. Pour la plupart, ce n'est qu'un supplément de revenus et surtout une façon d'utiliser les loisirs. D'ailleurs, pendant que la femme garde la boutique, le mari se promène. Ou réciproquement. Oh, tu avoueras que c'est surtout le mari. D'abord, les femmes ne sauraient guère où aller. Tandis que pour les hommes, il y a la chasse, la pêche, les parties de qui. Et en hiver, le café. Les femmes sont-elles très pieuses? La question a pour moi son importance. Beaucoup vont à la messe. Mais Dieu tient-il une place considérable dans leur pensée quotidienne? Quelle idée! Parfait. Il n'y a pas de grand vice non plus? Que voulez-vous dire? Opium, cocaïne, messe noire, sodomie, conviction politique. Vous mélangez des choses si différentes. Je n'ai jamais entendu parler d'opium ni de messe noire. Quant à la politique, on s'y intéresse comme partout. Et l'adultère? Quoi donc? A-t-il pris là-haut un développement exceptionnel? Est-il l'objet d'une activité intense? Oh, vos questions sont extraordinaires. Il doit y avoir comme ailleurs des maris trompés, mais sans excès. D'abord, c'est très difficile. Les gens vous surveillent tellement. Bon, vous n'avez rien de particulier à me signaler? Par exemple, du côté des sectes, des superstitions, des sociétés secrètes. À un moment, certaines de ces dames ont fait du spiritisme. Ah. On se voyait chez la femme du notaire et on faisait parler le guéridon. Mauvais, mauvais, détestable. Je crois qu'elles ont cessé. Ah, tant mieux. Pas de sorcier non plus, pas de thaumaturge, quelques vieux berger sentant le bouc qui guérit par l'imposition des mains. Autrefois peut-être, mais plus maintenant. En somme, l'âge médical peut commencer. Mon cher confrère, serait-il inhumain de demander à ce véhicule un nouvel effort? J'ai une hâte incroyable d'être à Saint-Maurice. Cela vous vient bien brusquement. Qu'est-ce donc de si puissant qui vous y attire? Mon cher confrère, j'ai le sentiment que vous avez gâché là-haut une situation magnifique. C'est couvert d'or que vous devriez repartir, les fesses calées sur un matelas d'obligation. Vous, madame, avec trois rangs de perles au cou, tous deux installés dans une étincelante limousine, et non point sur ce monument des premiers efforts du génie moderne. Vous plaisantez, docteur? La plaisanterie serait cruelle, madame. Mais alors c'est affreux! Tu entends, Albert? Bon, j'entends que le docteur Knock est un chimérique et de plus, un cyclotimique. Il est le jouet d'impressions extrêmes. Tantôt le poste ne valait pas deux sous, maintenant c'est un pactole. Mais toi aussi, tu es trop sûr de toi. Ne t'ai-je pas souvent dit qu'à Saint-Maurice, en sachant s'y prendre, on pouvait mieux faire que végéter? Bon, bon, bon. Je reviendrai dans 3 mois pour la première échéance. Nous verrons où en est le docteur Knock. C'est cela, revenez dans 3 mois. Nous aurons le temps de causer. Mais je vous en supplie, partons tout de suite. Vous êtes prêt? Oh, moi je serai bien prêt. Mais cette fois-ci, je ne crois pas que nous arriverons à la faire démarrer tout seul. Bon. Madame. Docteur Knock! Revenez, Docteur Knock! Revenez! Je
dit que je suis militaire, c'était pas rigolo entre nous. J'ai l'exemple car maintenant je suis forcé de m'arrêter. Ah mon Dieu que c'est embêtant d'être toujours pas mal. Ah mon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas 40 ans. C'est vous le tambour de ville? Oui, monsieur. Appelez-moi docteur. Répondez-moi oui, docteur ou non, docteur. Oui, docteur. Et quand vous avez l'occasion de parler de moi au dehors, ne manquez jamais de vous exprimer ainsi. Le docteur a dit, le docteur a fait. J'y attache de l'importance. Quand vous parliez entre vous du docteur Parpalais, de quel terme vous serviez-vous? Nous disions, c'est un brave homme, mais il n'est pas bien fort. Ce n'est pas ce que je vous demande. Disiez-vous le docteur? Non. Monsieur Parpalais, ou le médecin, ou encore Ravachol. Ravachol, pourquoi? C'est un surnom qu'il avait, mais j'ai jamais su pourquoi. Et vous ne le jugez pas très fort? Pour moi, il était bien assez fort, hein. Mais pour d'autres, il paraît que non. Tiens. Quand on allait voir, il ne trouvait pas. Qu'est-ce qu'il ne trouvait pas? Parce que vous aviez 9 fois sur 10, si vous renvoyez chez vous en vous disant « c'est rien du tout, vous serez sur pied de main, mon ami ». Vraiment? Et puis, il vous écoutait à peine en faisant « oui, 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 oui », et il se dépêchait de parler d'autre chose pendant une heure, par exemple, de son automobile. Comme si on est pour ça. Et puis, il vous indiquait des remèdes de 4 sous, hein, parfois même une simple tisane. Vous pensez bien que les gens qui payent 8 francs une consultation n'aiment pas trop qu'on leur indique des remèdes de 4 sous. Hein. Et le plus bête a besoin du médecin pour boire une camomille. Hein. Oui, ce que vous m'apprenez là me fait réellement de la peine. Mais je vous ai fait venir pour un renseignement. Quel prix demandiez-vous au docteur Parpalais quand il vous chargeait d'une annonce? Il ne me chargeait jamais d'une annonce. Qu'est-ce que vous me dites, depuis 30 ans qu'il était là? Pas une seule annonce en 30 ans, hein, je vous jure. Vous devez avoir oublié, je ne puis vous croire. Bref, quels sont vos tarifs? 3 francs le petit tour et 5 francs le grand tour. Ça vous paraît peut-être cher, hein, mais il y a du travail. D'ailleurs, je conseille à monsieur... Au docteur, s'il n'en est pas à 2 francs près, de prendre le grand tour, qui est beaucoup plus avantageux. Quelle différence y a-t-il? Avec le petit tour, je m'arrête 5 fois. Hein? Devant la mairie, devant la poste, devant l'hôtel de la clé, au carrefour des voleurs et au coin de la halle. Avec le grand tour, je m'arrête 11 fois, c'est à savoir. Je prends le grand tour. Vous êtes disponible ce matin? Tout de suite, si vous voulez. Alors, voilà le texte de l'annonce. Je suis habitué aux écritures, mais je préférais que vous me lisiez une première fois. Le docteur Knock, successeur du docteur Parpalais, présente ses compliments à la population de la ville et du canton de Saint-Maurice et a l'honneur de lui faire connaître que dans un esprit philanthropique et pour enrayer des maladies de toutes sortes qui envahissent depuis quelques années nos régions si salubres autrefois... Ça, c'est une bonne vraie, hein. Il donnera tous les lundis matins de 9h30 à 11h30 une consultation entièrement gratuite réservée aux habitants du canton. Pour les personnes étrangères au canton, la consultation restera au prix ordinaire de 8 francs. Très bien. C'est une belle idée, hein. Une idée qui sera appréciée. Une idée de bienfaiteur. Mais vous savez que nous sommes lundi. Si je fais l'annonce ce matin, il va vous en arriver dans 5 minutes. Si vite que cela, vous croyez? Et puis, vous n'avez peut-être pas pensé que lundi est jour de marché. La moitié du canton est là. Mon annonce va tomber dans tout ce monde. Vous ne saurez plus où donner de la tête. J'essaierai de me débrouiller. Il y a encore souci. Que c'est le jour de marché que vous aviez le plus de chances d'avoir des clients. Monsieur Parpalais n'en avait guère que ce jour-là, alors si vous les recevez gratis... Vous comprenez, mon ami, ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent. Si je voulais gagner de l'argent, c'est à Paris que je m'installerai, ou à New York. Vous avez mis le doigt dessus, hein. On ne se soigne pas assez, on ne veut pas s'écouter et on se met trop durement. Quand le mal nous tient, on se force. Autant voudrait-il être des animaux, hein. Je remarque que vous... pensez avec une grande justesse, mon ami. Sûr que je raisonne, moi. Mais je n'ai pas l'instruction que je devrais. Mais il y en a de plus instruits qui ne m'en remontreraient pas.
Monsieur le maire, pour ne pas nommer, on sait quelque chose. Si je vous racontais qu'un jour, monsieur... Docteur, qu'un jour, monsieur le préfet, en personne, se trouvait à la mairie, dans la grande salle des mariages, et même que vous pouvez demander attestation du fait à des notabilités présentes, hein, à monsieur le premier adjoint, ou à monsieur Michalon, et qu'alors... Monsieur le préfet a tout de suite vu à qui il avait affaire, et que le tambour de ville était un tambour qui résonnait beaucoup mieux que d'autres qui n'étaient pas tambours, mais qui se prenaient pour quelque chose de bien plus fort qu'un tambour. Et qui est-ce qui n'a plus su quoi dire? C'est monsieur le maire. Oh, mais c'est l'exacte vérité, hein. Il n'y a pas un mot à changer. On jurait que vous étiez là, caché dans un petit coin. Je n'y étais pas, mon ami. Alors c'est quelqu'un qui vous l'a raconté, et quelqu'un de bien placé. Oh, vous ne m'ôterez pas de la tête que vous en avez causé récemment avec monsieur le préfet, hein. Donc, je compte sur vous, mon ami, et rondement, n'est-ce pas? Allez. Le docteur Knock, successeur du docteur Barbalet. Je ne pourrai pas venir tout à l'heure. Ou bien j'arriverai trop tard. Est-ce que ce serait un effet de votre bonté de me donner ma consultation maintenant? Oui, mais dépêchons-nous. J'ai rendez-vous avec M. Bernard l'instituteur et avec M. le pharmacien Mousquet. Il faut que je les reçoive avant que les gens n'arrivent. De quoi souffrez-vous? Attendez que je réfléchisse. Ah, ça y est. Il y a des fois, quand j'ai dîné, que je me sens une espèce de démangeaison ici. Ça me chatouille. Ou plutôt, ça me gratouille. Attention. Ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ça me gratouille. Mais ça me chatouille bien un peu aussi, hein. Désignez-moi exactement l'endroit. Par ici. Par ici ou ça par ici? Là ou peut-être là. Entre les deux. Juste entre les deux. Est-ce que ça ne serait pas un rien à gauche, là où je mets mon doigt? Il me semble, oui. Ça vous fait mal quand j'enfonce mon doigt? Aïe! Oh, dis-le bien que ça me fait mal, oui. Ah. Est-ce que ça ne vous gratouille pas davantage quand vous avez mangé de la tête de veau à la vinaigrette? Je n'en mange jamais. Mais je suis sûr que si j'en mangeais, ça me gratouillerait plus. Ah, très important. Quel âge avez-vous? 51, dans mes 52. Plus près des 51 ou des 52? Des 52, je les aurai fin novembre. Mon ami, faites votre travail aujourd'hui comme d'habitude. Ce soir, couchez-vous de bonne heure. Demain, gardez le lit. Je passerai vous voir. Pour vous, mes visites seront gratuites. Mais attention, ne le dites pas, c'est une faveur. Oh, vous êtes trop bon, docteur. Mais, dites-moi, c'est donc grave ce que j'ai? Ce n'est peut-être pas encore très grave. Il était temps de vous soigner. Vous fumez? Non, je chique. Interdiction totale de chiquer. Vous aimez le vin? J'en bois raisonnablement. Plus une goutte de vin. Vous êtes marié? Oui, docteur. Sagesse totale de ce côté-là. Hein. Je puis manger. Aujourd'hui, comme vous travaillez, prenez un peu de potage. Demain, nous en viendrons à d'autres restrictions. Pour l'instant, tenez-vous-en à ce que je vous ai dit. Hein. Vous ne croyez pas que je devrais aller me coucher tout de suite? Je ne me sens réellement pas à mon aise. Surtout pas, mon ami. Dans votre cas, il serait mauvais d'aller se mettre au lit entre le lever et le coucher du soleil. Non. Faites vos annonces comme si de rien n'était et attendez tranquillement jusqu'à ce soir. Bonjour, monsieur Bernard. Je ne vous ai pas trop dérangé en vous faisant venir à cette heure-ci. Non, docteur, j'ai une minute. Mon adjoint surveille la récréation. J'étais impatient de vous rencontrer. Nous avons tant de choses à faire ensemble et de si urgentes. Oh, ce n'est pas moi qui laisserai s'interrompre la collaboration si précieuse que vous accordiez à mon prédécesseur. La collaboration? Remarquez, je ne suis pas homme à imposer mes idées, ni à...
Oui, à faire table rase de ce qui a été édifié avant moi. Au début, c'est vous qui serez mon guide. Je ne vois pas bien. Mais ne touchons à rien pour l'instant. Nous améliorerons par la suite s'il est nécessaire. Mais il s'agisse de la propagande, des conférences populaires, de nos petites réunions à nous, vos procédés seront les miens, vos heures seront les miennes. C'est que, docteur, je crains de ne pas bien saisir à quoi vous faites allusion. Eh bien, je veux dire tout simplement que je tiens à maintenir intacte la liaison avec vous, même pendant ma période d'installation. Il doit y avoir quelque chose qui m'échappe. Mais, voyons, vous étiez bien en relation constante avec le docteur Parpalais. Je le rencontrais de temps en temps à l'estaminet de l'hôtel de la Clé. Il nous arrivait de faire un billard. Mais ce n'est pas de ces relations que je veux parler, enfin. Nous n'en avions pas d'autres. Alors, comment vous étiez-vous réparti l'enseignement populaire de l'hygiène, l'œuvre de propagande dans les familles, en fait, que sais-je moi, les mille besognes que le médecin et l'instituteur ne peuvent faire que main dans la main? Nous ne nous étions rien répartis du tout. Quoi? Vous aviez préféré agir chacun isolément? C'est bien plus simple. Nous n'y avons jamais pensé, ni l'un, ni l'autre. C'est la première fois qu'il est question d'une chose pareille à Saint-Maurice. Ah, si je ne l'entendais pas de votre bouche, je vous assure que je n'en croirais rien. Je suis désolé de vous causer cette déception. Mais ce n'est pas moi qui pouvais prendre une initiative de ce genre-là, vous l'admettrez. Même si j'en avais eu l'idée, et même si le travail de l'école me laissait plus de loisirs. Évidemment, vous attendiez un appel qui n'est pas venu. Chaque fois qu'on m'a demandé un service, j'ai tâché de le rendre. Oui, je le sais, monsieur Bernard. Je le sais. Voilà donc une malheureuse population entièrement abandonnée à elle-même du point de vue hygiénique et prophylactique. Dame. Je parie qu'ils boivent de l'eau sans même penser aux milliards de bactéries qu'ils avalent à chaque gorgée. Oh, certainement. Savait-il même ce que c'est qu'un microbe? J'en doute fort. Quelques-uns connaissent le mot, mais ils doivent se figurer qu'il s'agit d'une espèce de mouche. C'est effrayant. Cher monsieur Bernard, nous ne pouvons à nous deux réparer en 8 jours des années de, disons, d'insouciance. Mais il faut faire quelque chose. Je ne m'y refuse pas. Je crains seulement de ne pas être leur grand secours. Monsieur Bernard, quelqu'un qui est bien renseigné sur vous m'a révélé que vous avez un grave défaut, la modestie. Oui, vous êtes le seul à ignorer que vous possédez ici une autorité morale et une influence personnelle peu commune. Je regrette d'avoir à vous le dire, mais rien de sérieux ici ne se fera sans vous. Vous exagérez, docteur. Bien entendu, je puis soigner seul mes malades. Mais la maladie, qui est-ce qui m'aidera à la combattre, à la débusquer? Qui instruira tous ces pauvres gens sur les périls de chaque seconde qui assiègent leur organisme? Qui leur apprendra qu'il ne faut pas attendre d'être mort pour appeler le médecin? Ils sont très négligents, je n'en dis combien pas. Commençons par le commencement. J'ai ici la matière de plusieurs causeries de vulgarisation, des notes très complètes, et aussi des clichés et une lanterne. Vous arrangerez tout cela comme vous savez le faire. Tenez, pour débuter, une petite conférence toute écrite, ma foi, et très agréable, sur la fièvre typhoïde. Les formes insoupçonnées qu'elle prend, ses véhicules innombrables, eau, pain, lait, coquillages, légumes, salades, poussière, haleine, etc., etc. Sans compter les semaines et les mois qu'elle court sans se trahir, les accidents mortels qu'elle déchaîne soudain, les complications redoutables qu'elle charrie à sa suite. Tout cela agrémenté de jolies vues, oui, bacilles formidablement grossis, détails d'excrémentifiques, ganglions infectés, perforations en intestin, et pas en noir, en couleur. Oui, des roses, des marrons, des jaunes, des blancs verdâtres que vous imaginez. C'est que je suis très impressionnable. Si je me plonge là-dedans, je ne dormirai plus. Voilà justement ce qu'il faut. Enfin, je veux dire, voilà justement l'effet de saisissement que nous devons porter jusqu'aux entrailles de l'auditoire. Vous, monsieur Bernard, vous vous habituerez.
Eux qui n'en dorment plus, car leur tort, c'est de dormir dans une sécurité trompeuse, dont les réveille trop tard le coup de foudre de la maladie. Tu n'es pas déjà une santé si solide. Mes parents ont beaucoup de peine à m'élever. Je sais bien que sur vos clichés, tous ces microbes ne sont qu'en reproduction, mais enfin... Pour ceux que cette première conférence aurait laissé froid, j'en tiens une autre dont le titre n'a l'air de rien. Les porteurs de germes. Il y est démontré, clair comme le jour, à l'aide de cas observés, qu'on peut se promener avec une figure ronde, une langue rose, un excellent appétit et receler dans tous les replis de son corps... des trillions de bacilles de la dernière virulence capables d'infecter un département. Fort de la théorie et de l'expérience, j'ai le droit de soupçonner le premier venu d'être un porteur de germes. Vous, par exemple, absolument rien ne me prouve que vous n'en êtes pas un. Moi, docteur ? Je serais curieux de connaître quelqu'un qui, au sortir de cette deuxième petite causerie, se sentirait encore d'humeur à batifoler. Vous pensez que moi, docteur, je suis porteur de germes ? Pas vous spécialement. J'ai pris un exemple. Mais j'ai rendez-vous avec Monsieur Mousquet. Je suis désolé, Monsieur Bernard, de vous laisser. En tout cas, à très bientôt. Et merci encore de votre adhésion. Dont je ne doutais pas. Mais bon, je me suis aussi... Asseyez-vous, je vous en prie. Hier, j'ai eu à peine le temps de jeter un coup d'œil sur l'intérieur de votre pharmacie, mais il n'en faut pas davantage pour constater l'excellence de votre installation. L'ordre méticuleux qui règne, le modernisme du moindre détail. Docteur, vous êtes trop indulgent. C'est une chose qui me tient au cœur. Pour moi, le médecin qui ne peut s'appuyer sur un pharmacien de tout premier ordre est un général qui va à la bataille sans artillerie. Mais je suis heureux de voir que vous appréciez l'importance de la profession. Et moi, de me dire qu'une organisation comme la vôtre trouve certainement sa récompense, hein, et que vous devez bien vous faire, dans l'année, un minimum de 25 000 de bénéfices. Mais ah mon Dieu, si je m'en faisais seulement la moitié. Cher monsieur Mousquet, vous avez devant vous non pas un agent du fisc, mais un ami, j'ose dire un collègue. Docteur, je ne vous fais pas l'injure de me méfier de vous. Je vous ai malheureusement dit la vérité. J'ai toutes les peines du monde à dépasser les 10 000. Savez-vous que c'est scandaleux? Dans ma pensée, le chiffre de 25 000 était un minimum. Vous n'avez pourtant pas de concurrent. Mais aucun, à près de 5 lieues à la ronde. Alors quoi, des ennemis? Je ne m'en connais pas. Jadis, vous n'auriez pas eu une affaire fâcheuse, une distraction? 50 grammes de laudanum en place d'huile de ricin, c'est tellement vite fait. Pas le plus minime incident, je vous prie de le croire. En 20 années d'exercice. Alors, je répugne à former d'autres hypothèses. Mon prédécesseur aurait-il été au-dessous de sa tâche? C'est une affaire de point de vue. Cher monsieur Mousquet, encore une fois, nous sommes entre nous. Le docteur Parpalais est un excellent homme. Nous avions les meilleures relations privées, mais... Mais on n'aurait pas fait un gros volume avec le recueil de ses ordonnances. Vous l'avez dit. Quand je rapproche tout ce que je sais de lui maintenant, j'en arrive à me demander s'il croyait dans la médecine. Mais dans les débuts, je faisais loyalement mon possible. Dès que les gens se plaignaient à moi et que cela me paraissait un peu grave, je les envoyais. Bonsoir. Je ne les voyais plus revenir. Et ce que vous me dites là m'affecte plus que je ne voudrais. Nous avons, cher monsieur Mousquet, deux des plus beaux métiers qu'on connaisse. N'est-ce pas une honte que de les faire peu à peu déchoir du haut degré de prospérité et de puissance où nos devanciers les avaient mis? Le mot de sabotage me vient aux lèvres. Oui, certes. Toute question d'argent à part... Mais il y a conscience à se laisser glisser ainsi au-dessous du ferblantier de l'épicier. Je vous assure, docteur, que ma femme serait bien empêchée de se payer les chapeaux et les bas de soie que la femme du ferblantier arbore semaine et dimanche. Taisez-vous, mon ami, vous me faites mal.
C'est comme si j'entendais dire que la femme d'un président de chambre en est réduite à laver le linge de sa boulangère pour avoir du pain. Si Madame Mousquet était là, mais vos paroles lui iraient à l'âme. Dans un canton comme celui-ci, nous devrions, vous et moi, ne pas suffire à la besogne. C'est juste. Je pose un principe que tous les habitants du canton sont ipso facto nos clients désignés. Oui, tous, c'est beaucoup demandé. Je dis tous. Oui, il est vrai qu'à un moment ou l'autre de sa vie, chacun peut devenir notre client par occasion. Mais par occasion, point du tout. Client régulier. Client fidèle. Et encore faut-il qu'il tombe malade. Tomber malade, vieille notion qui ne tient plus devant les données de la science actuelle. La santé n'est qu'un mot qui n'y aurait aucun inconvénient à rayer de notre vocabulaire. Non, pour ma part, je ne connais que des gens plus ou moins atteints de maladies plus ou moins nombreuses, à évolution plus ou moins rapide. Naturellement, si vous allez leur dire qu'ils se portent bien, ils ne demandent qu'à vous croire, mais vous les trompez. Votre seule excuse, c'est que vous ayez trop de malades à soigner pour en prendre de nouveaux. En tout cas, c'est une très belle théorie. Théorie profondément moderne, monsieur Mousquet, réfléchissez-y. Et toute proche de l'admirable idée de la nation armée qui fait la force de nos États. Vous êtes un penseur, vous, docteur Knopf. Et les matérialistes auront beau soutenir le contraire, la pensée mène le monde. Écoutez-moi, je suis peut-être présomptueux. D'amères désillusions me sont peut-être réservées. Mais si dans un an, jour pour jour, vous n'avez pas gagné les 25 000 francs nets qui vous sont dus, si Madame Mousquet n'a pas les robes, les chapeaux, les bas que sa condition exige, je vous autorise à venir me faire une scène ici et je tendrai les deux joues pour que vous me déposiez chacun un soufflet. Cher docteur, je serais un ingrat si je ne vous remerciais pas avec effusion. Et un misérable si je ne vous aidais pas de tout mon pouvoir. Bien, bien. Comptez sur moi. Ah, comptez sur moi comme je compte sur vous. Ah, voilà les consultants, une douzaine déjà. Mariette, prévenez les nouveaux arrivants qu'après 11h30, je ne puis plus recevoir personne, du moins en consultation gratuite. C'est vous la première, madame ? Vous êtes bien du canton ? Je suis de la commune. De Saint-Maurice même ? J'habite la grande ferme qui est sur la route de Luchère. Vous appartient ? Oui, à mon mari et à moi. Si vous l'exploitez seul, vous devez avoir beaucoup de travail. Pensez, monsieur. 18 vaches, 2 bœufs, 2 taureaux, la jument et le poulain, 6 chèvres, une bonne douzaine de cochons, mon mari, sans compter la basse-cour. Diable, diable, vous n'avez pas de domestique? Oh, dame, si. 3 valets, une servante et les journaliers à la belle saison. Je vous plains. Il ne doit guère vous rester de temps pour vous soigner. Oh, non. Et pourtant, vous souffrez. Oh, ce n'est pas le mot, j'ai plutôt de la fatigue. Oui, vous appelez ça de la fatigue. Tirez la langue. Vous ne devez pas avoir beaucoup d'appétit. Non. Vous êtes constipé. Oui, assez. Baissez la tête. Respirez. Plus fort. Toussez. Vous n'êtes jamais tombée d'une échelle étant petite? Je me souviens pas. Vous n'avez jamais mal ici le soir en vous couchant? Une sorte de courbature? Ah! Des fois! Et
essayer de vous rappeler. Ça devait être une grande échelle. Ça se peut bien. C'était une échelle de 3,50 m environ. Posée contre le mur, vous êtes tombé à la renverse. C'est la fesse droite, heureusement. Ah ! Qui a porté. Oui. Vous aviez déjà consulté le docteur Parpalais ? Non, jamais. Pourquoi ? Parce qu'il ne donnait pas de consultation gratuite. Vous vous rendez compte de votre état ? Non. Tant mieux. Est-ce que vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie de guérir ? J'ai envie. J'aime autant vous dire tout de suite que ce sera très long et très coûteux. Oh mon Dieu, et pourquoi ça ? Parce qu'on ne guérit pas en 8 jours d'une maladie qu'on traîne depuis 40 ans. Depuis 40 ans ? Oui, depuis que vous êtes tombé de votre échelle. Et combien que ça me coûterait ? Mais qu'est-ce que valent les veaux actuellement ? Oh, bah ça dépend de la grosseur et des marchés, mais on ne peut guère en avoir de propre à moins de 400 ou 500 francs. Et les cochons gras ? Il y en a qui font plus de 1000. Mais ça vous coûtera à peu près 2 cochons et 2 veaux. Oh, près de 3000 francs ? Mais c'est une désolation, Jésus-Marie ! Si vous aimez mieux faire un pèlerinage, je ne vous en empêche pas. Bah, un pèlerinage, ça revient cher aussi, puis ça réussit pas souvent. Mais qu'est-ce que je peux donc avoir de si terrible que ça ? Je vais vous l'expliquer en une minute au tableau noir. Voici votre moelle épinière en coupe, très schématiquement évidemment. Vous reconnaissez ici votre faisceau de Turc et ici votre colonne de Clark. Vous me suivez ? Oui. Quand vous êtes tombé de votre échelle, votre Turc et votre Clark ont glissé en sens inverse. De quelques dixièmes de millimètre, vous me direz c'est très peu évidemment, mais c'est très mal placé. Et puis, vous avez ici un tiraillement continu qui s'exerce sur les multipolaires. Mon Dieu, mon Dieu! Oh, vous ne mourrez pas du jour au lendemain, vous pouvez attendre. Oh là là, je viens du malheur de tomber de cette échelle. Je me demande même si l'on ne devrait pas laisser les choses comme elles sont. C'est vrai, l'argent est si dur à gagner, tandis que les années de vieillesse, on en a toujours assez pour le plaisir qu'elles donnent. Et si on faisait ça plus grossièrement, il n'y aurait pas moyen de me guérir à moins cher, à condition que ce soit bien fait tout de même. Je puis vous proposer de vous mettre en observation, ça ne vous coûtera presque rien. Et après quelques jours, vous verrez comme de vous-même quel est votre état et vous vous déciderez. Où c'est ça ? Bien. Alors, vous allez rentrer chez vous. Vous êtes venu en voiture ? Non, à pied. Il faudra tâcher de trouver une voiture. Vous vous coucherez en arrivant. Une chambre où vous êtes seul autant que possible. Faites fermer les volets et les rideaux pour que la lumière ne vous dérange pas. Défendez qu'on vous parle. Pas d'alimentation solide pendant une semaine. Un verre d'eau de Vichy toutes les 2 heures. Et à la rigueur, une moitié de biscuits matin et soir dans un doigt de lait. Mais j'aime autant que vous fassiez de biscuits. Vous ne vous direz pas que je vous ordonne des remèdes coûteux. À la fin de la semaine, nous verrons comment vous sentez. Si... Vous sentez gaillarde, que vos forces et que votre gaieté sont revenues, c'est que le mal est moins grave qu'on pouvait croire, et je serai le premier à vous rassurer. Si au contraire, vous sentez une faiblesse générale, une lourdeur de tête, une espèce de peine à vous réveiller le matin, eh bien, l'hésitation ne sera plus permise et nous commencerons le traitement. C'est convenu ? Comme vous voudrez. Bien. Je rappelle mes prescriptions sur ce bout de papier. Et j'irai vous voir bientôt. Oh. Oh. Mariette ! Aidez madame à descendre l'escalier et à trouver une voiture.
docteur, de me voir ici. Un peu étonné, madame. Qu'une dame Ponce, née demoiselle Lampouma, vienne à une consultation gratuite, c'est un effet assez extraordinaire. C'est surtout flatteur pour moi, madame. Vous dites peut-être que c'est là un des jolis résultats du gâchis actuel. Et tandis qu'une quantité de malotrus et de marchands de cochons roulent carrosse et sable le champagne avec des actrices, une demoiselle Lampoumas, dont la famille remonte sans interruption jusqu'au XIIIe siècle, et qui a jadis possédé la moitié du pays, et qui a des alliances avec toute la noblesse et la haute bourgeoisie du département, en est réduite à faire la queue avec les pauvres et les pauvresses de Saint-Maurice. Avouez, docteur, qu'on a vu mieux. Hélas, oui, madame. Je ne vous dirai pas que mes revenus soient restés ce qu'ils étaient autrefois, ni que j'ai conservé la maisonnée de 6 domestiques et l'écurie de 4 chevaux qui étaient de règle dans la famille jusqu'à la mort de mon oncle. J'ai même dû vendre l'an dernier un domaine de 160 hectares, la Michouille, qui me venait de ma grand-mère maternelle. Ce nom de la Michouille aurait des origines gréco-latines à ce que prétend monsieur le curé. Il dériverait de mycodium et voudrait dire aile du champignon. Pour cette raison qu'on n'aurait jamais trouvé un seul champignon dans ce domaine, comme si le sol en avait horreur. Il est vrai qu'avec les impôts et les réparations, il ne me rapportait plus qu'une somme ridicule. D'autant plus que depuis la mort de mon mari, les fermiers abusaient volontiers de la situation et sollicitaient à tout bout de champ des délais et des réductions. Oh, j'en avais assez, assez, assez. Ne croyez-vous pas, docteur, que tout compte fait, j'ai eu raison de me débarrasser de ce domaine? Je le crois, madame, surtout si vous aimez les champignons. Et d'autre part, si vous avez bien placé votre argent. Aïe! Oh, vous touchez le vif de la plaie! Oh, je me demande jour et nuit si je l'ai bien placé. Et j'en doute terriblement. Oh, j'ai suivi les conseils de ce gros bêta de notaire. Au demeurant, le meilleur des hommes. Mais je le crois moins lucide que le guéridon de sa chère femme, qui, comme vous le savez, servit quelque temps de truchement aux esprits. En particulier, j'ai acheté un tas d'actions dans les charbonnages. Oh, docteur, que pensez-vous des charbonnages? Ce sont en général d'excellentes valeurs, un peu spéculatives peut-être, sujettes à des hausses inconsidérées et suivies de baisses inexplicables. Oh, mon Dieu! Oh, vous me donnez la chair de poule! Oh, j'ai l'impression de les avoir achetées en pleine hausse! Et j'en ai pour plus de 50 000 francs! Oh, d'ailleurs, c'est une folie de mettre une somme pareille dans les charbonnages quand on n'a pas une grosse fortune. Il me semble en effet qu'un tel placement ne devrait jamais dépasser plus du dixième de l'avoir total. Ah ! Pas plus du dixième ? Mais s'il ne représente pas plus du dixième, ce n'est pas une folie à proprement dite. Nullement ! Ah ! Ah ! Ah, vous me rassurez, docteur ! Ah, j'en avais besoin ! Oh, vous ne sauriez croire quel tourment me donne la gestion de mes 4 sous. Oh, je me dis parfois qu'il me faudrait d'autres soucis pour chasser celui-là. Oh, docteur, la nature humaine est une pauvre chose. Il est écrit que nous ne pouvons déloger un tourment qu'à condition d'en remplacer un autre à la place. Mais au moins trouve-t-on quelques répits à en changer. Oh, je voudrais ne plus penser toute la journée à mes locataires, à mes titres et à mes fermiers. Oh, je ne puis tout de même pas à mon âge courir les aventures amoureuses, ni entreprendre un voyage autour du monde. Mais vous attendez sans doute que je vous explique pourquoi j'ai fait la queue à votre consultation gratuite. Quelle que soit votre raison, madame, elle est certainement excellente. Voilà. J'ai voulu donner l'exemple. Je trouve que vous avez eu là, docteur, une belle et noble inspiration. Mais je connais mes gens et j'ai pensé, ils n'iront pas, ils n'en ont pas l'habitude. Et ce monsieur en sera pour sa générosité. Et je me suis dit, s'il voit qu'une dame Ponce, demoiselle Lampoumas, n'hésite pas à inaugurer les consultations gratuites, ils n'auront plus honte de s'y montrer. Car mes moindres gestes sont observés et commentés. C'est bien naturel. Votre démarche, madame, est très louable et je vous en remercie. Je suis enchantée, docteur, d'avoir fait votre connaissance.
Je reste chez moi toutes les après-midi. Il y a quelques personnes. Nous faisons salon autour d'une vieille théière Louis XV que j'ai héritée de mon aïeul. Il y aura toujours une tasse de côté pour vous. Vous savez que je suis réellement très, très tourmentée avec mes locataires et mes titres. Oh, je passe des nuits sans dormir. C'est horriblement fatigant. Vous n'auriez pas, docteur, un secret pour faire dormir? Il y a longtemps que vous souffrez d'insomnie? Très, très longtemps. Vous en aviez parlé au docteur Parpalais? Oui, plusieurs fois. Que vous a-t-il dit? De lire chaque soir trois pages du Code civil. C'était une plaisanterie. Le docteur n'a jamais pris la chose au sérieux. Et peut-être a-t-il eu tort, car il y a des cas d'insomnie dont la signification est d'une exceptionnelle gravité. Vraiment? L'insomnie peut être due à un trouble essentiel de la circulation intracérébrale, plus particulièrement d'une altération des vaisseaux dites en tuyaux de pipe. Vous savez peut-être, madame, les artères du cerveau en tuyau de pipe. Ciel, en tuyau de pipe? L'usage du tabac, docteur, il serait-il pour quelque chose? Je prise un peu. C'est un point qu'il faudrait examiner. L'insomnie peut encore provenir d'une attaque profonde et continue de la substance grise par la névrolie. Oh, ça doit être affreux! Expliquez-moi cela, docteur. Représentez-vous un crabe, ou encore un poulpe, une gigantesque araignée en train de vous grignoter, de vous susauter, de vous déchiqueter doucement la cervelle. Ah! Ah! Il y a de quoi s'évanouir d'horreur! Ah, voilà certainement ce que je dois avoir! Ah, je le sens bien! Ah, je vous en prie, docteur, tuez-moi tout de suite! Une piqûre! Une piqûre! Ou plutôt, ne m'abandonnez pas! Oh, je me sens glisser au dernier degré de l'épouvante. Ça doit être absolument incurable. Immortel? Non. Il y a un espoir de guérison? Oui. Allons. Oh, ne me trompez pas, docteur. Je veux connaître la vérité. Tout dépend de la régularité et de la durée du traitement. Mais de quoi peut-on guérir? De la chose en tuyau de pipe? Ou de l'araignée? Car dans mon cas, je sens que c'est plutôt l'araignée. On peut guérir de l'un et de l'autre. Je n'oserais donner un tel espoir à un malade ordinaire qui n'aurait ni le temps ni les moyens de se soigner suivant les méthodes les plus modernes. Avec vous, c'est différent. Oh, mais moi, je serais une malade très docile, docteur. Soumise comme un petit chien. Oh, je passerai partout où il faudra, surtout si ce n'est pas trop douloureux. Aucunement douloureux, puisque c'est à la radioactivité qu'on fait appel. Non, la seule difficulté est d'avoir la patience de suivre bien sagement la cure pendant 2 ou 3 années, et aussi d'avoir, évidemment, sous la main un médecin qui s'astreigne à une surveillance incessante du processus de guérison, un calcul minutieux des doses radioactives et évidemment à des visites presque quotidiennes. Oh, mais moi, je ne manquerai pas de patience. Mais c'est vous, docteur, qui n'allez pas vouloir vous occuper de moi comme il faudrait. Vouloir, je ne demanderai pas mieux. Il s'agit de pouvoir. Vous demeurez loin? Mais non, à 2 pas, la maison qui est en face du poids public. Eh bien, je tâcherai de faire un bond jusque chez vous tous les matins. Sauf le dimanche et le lundi à cause de ma consultation. Mais ça ne fera pas trop d'intervalle, 2 jours d'affilée. Je resterai pour ainsi dire sans soins du samedi au mardi. Je vous laisserai des instructions très détaillées et puis quand j'aurai une minute, je passerai vous voir le dimanche matin ou le lundi après-midi. Ah, tant mieux, tant mieux. Et que faut-il que je fasse tout de suite? Rentrez chez vous. Gardez la chambre. J'irai vous voir demain matin et je vous examinerai plus à fond. Je n'ai pas de médicaments à prendre aujourd'hui. Si. Passez chez Monsieur Mousquet et priez-le d'exécuter aussitôt cette première petite ordonnance. Thank you.
secondes. Mariette, vous avez bien annoncé que la consultation s'arrêtait à 11h30. J'ai dit, mais vous le respect. Envoyez la personne suivante. Goussi, goussi, goussi. Miam, 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 miam. Awa, 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 awa. Zou, zou. Glou, 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 glou. Choc, choc, choc. Yeah. Oh, lequel de vous deux? Tous les deux. Vous n'allez pas passer ensemble? Oh, si, si. Je si, ne si. Vais vous recevoir tous les deux à la fois. Choisissez. D'ailleurs, je ne vous ai pas vu tantôt, il y a des gens avant vous. Ils nous ont cédé leur tour, demandez-leur. Nous deux, on va tout toujours ensemble. On fait la paix. Vous, déshabillez-vous, vous, asseyez-vous là. Enlevez votre chemise. Le pantalon aussi. Faut-il que je me mette tout nu? Ça suffit. Tournez-vous là. Ouvrez la bouche, faites A. Ah. Encore une fois. Ah. Allongez le bras. Vous avez toujours votre père? Non, il est mort. De mort subite? Oui, c'est ça. Vous ne devez pas être très vieux. Non, 49 ans. Oh, si vieux que ça quand même. Levez-vous. Je vais vous montrer dans quel état sont vos principaux organes. Votre foie et voici votre cœur. Mais chez vous, le cœur est bien plus abîmé qu'on ne l'a montré ici. Il faudrait peut-être que je cesse de boire. Ferez ce que vous voudrez. Y a-t-il des remèdes à prendre? Ce n'est guère la peine. À vous maintenant. Je n'ai rien, monsieur le docteur. Qu'en savez-vous? Je me porte bien, monsieur le docteur. Pourquoi vous êtes venu? Pour accompagner mon camarade. Ah, parce qu'il ne pouvait pas venir tout seul. Allez, déshabillez-vous. Non, monsieur le docteur. Pas aujourd'hui. Je reviendrai, monsieur le docteur.